Suivez-moi. C'est par ici. Ouf. On arrive. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter, en compagnie de mes amis Tom et Carotte, une belle histoire. La naissance de Jésus. Alors, ouvrez tout grand vos yeux, vos oreilles, sans oublier la porte de votre cœur. L'histoire arrive. Accueillez-la. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Bienvenue aux petits et aux grands. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes, car aujourd'hui c'est le jour des enfants. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Bienvenue aux petits et aux grands. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes, car aujourd'hui c'est le jour des enfants. Petits et grands, tous les enfants, ne manquez pas ce rendez-vous. Allez, venez, il nous attend. Voici Jésus qui vient vers nous. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Bienvenue aux petits et aux grands. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes, car aujourd'hui c'est le jour des enfants. Ensemble nous allons chanter du fond du cœur des gais refrains. Ensemble nous allons jouer et dessiner des beaux dessins. Bienvenue, 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 bienvenue au club de Tom et Carotte. Bienvenue aux petits et aux grands. Bienvenue au club de Tom et Carotte. Laissons de côté nos devoirs et nos notes, car aujourd'hui c'est le jour des enfants. Quelle agitation aujourd'hui dans les rues de Bethléem! Ne trouves-tu pas, Carotte? Oui, tu as raison, Tom. Il y a vraiment beaucoup de monde dans notre chère bourgade. Mais que se passe-t-il? J'ai entendu, il y a quelques jours, un soldat romain qui disait que tous les habitants devaient se faire inscrire dans la localité où ils étaient nés. Moi, je suis née dans le Terrier, à côté du Gros Chêne. Mais Carotte, ce ne sont pas les lapins qui doivent aller s'inscrire, mais les hommes et les femmes. Oh! Excusez-moi, Tom et Carotte, d'interrompre votre conversation. Mais regardez ce petit âne qui trottine et porte sur son dos une jolie dame. Approchons-nous et faisons leur connaissance. Voyez le petit bourricot qui trottine, trottine doucement. En effet, il porte sur son dos Marie qui attend un enfant. La douce Marie est fatiguée, il lui faut trouver un abri. Mais tous les hôtels sont complets, point de place dans l'hôtellerie. Oeil coquin et doux museau gris,
doucement, en faisant i-an, i-an, en faisant i-an, i-an. Joseph devant lui le conduit, le petit âne trottine prudemment, en faisant i-an, i-an, en faisant i-an, i-an. Dans une étable, ils ont trouvé la place et de la paille fraîche. Ils ramassent de ce foin doré et tapissent le fond de la crèche. Enfin le temps est arrivé, Marie donne naissance à Jésus. Dans cette étape Jésus est né, sa naissance est notre salut. Oi coquin et doux museaubris, le petit âne regarde tendrement, en faisant i-an, i-an, en faisant i-an, i-an. Joseph devant lui est assis, le petit âne attend patiemment, en faisant i-an, i-an, en faisant i-an, i-an. Entre le bœuf et l'âne gris est né Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur qui était promis. Marie et Joseph sont heureux, de leur cœur monte un chant de joie. Jésus-Christ, le Sauveur, est là. Entre le bœuf et l'âne gris dort Jésus, le Sauveur promis. On est bien ici. Dis-moi, Carotte, crois-tu que l'on peut y rester ? Oui, je pense. Mais ne faisons pas de bruit. Il ne faut pas réveiller le bébé. Une jolie mélodie en scène. Belle nuit monte vers notre Dieu qui a créé les cieux. Aujourd'hui c'est Noël, joie dans le ciel. Il est né le Sauveur. Une
comme elle est belle, Marie, avec son petit enfant. Ne sont-ils pas choux ? Ça, c'est vrai. Au fait, lui a-t-elle trouvé un prénom ? C'est bien possible. Moi, je l'aurais bien appelé... Je pense que le plus simple, c'est de lui demander. Tu as raison, Jean-Jean. Bonjour chère Madame Marie, comment s'appelle le bel enfant qui dort sur la paille sans bruit sous les regards de ses parents? Son nom est Jésus, son nom est Jésus, c'est lui le sauveur tant attendu, le prince de la paix, le prince de la paix, venu pour guérir toutes les plaies. Marie, nous aimerions savoir l'enfant qui dort tranquillement. Donnera-t-il aux hommes de l'espoir, la paix et la joie aux enfants? Cette question, l'enfant qui dort paisiblement, sera-t-il la lumière des nations, le réconfort des pauvres gens? Il apporte. Merci Marie d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Oh, il fait froid dehors. Est-ce que l'on peut rester près de toi, Marie? On se sent si bien ici. Écoutez-moi tout ce vacarme. Oh, j'ai l'impression qu'ils viennent par ici. Ouais, eh bien ça, c'est la fin de notre tranquillité. Tu as raison, voilà de la compagnie. Trois moutons par-ci, un, deux, trois moutons par-là. Le petit chien qui vient ici fait trois petits tours et aboie. Ouah, 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 le chien aboie, fait entendre sa grosse voix. Ouah, 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 le chien aboie, les moutons se rangent par trois. Quatre, cinq, six moutons par-ci, 5, 6 moutons par là. Le petit chien qui vient ici fait trois petits tours et aboie. Ouah, 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 le chien aboie, fait entendre sa grosse voix. Ouah, 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 le chien aboie, les moutons se rangent par trois. 7, 8, 9 moutons par-ci, 7, 8, 9 moutons par là. Le petit chien qui vient ici fait trois petits tours et aboie. Ouah, 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 le chien aboie, fait entendre sa grosse voix. Ouah, 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 le chien aboie, les moutons se rangent par trois. Ouah, 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 le chien aboie, fait entendre sa grosse voix. Ouah, 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 le chien aboie, les moutons se rangent par trois. Regarde ces hommes qui s'approchent. Ils tiennent dans leurs mains des lanternes et des bâtons. Des bâtons? Mais quels bâtons?
Oui, des bâtons de berger. Chut, ne faites pas trop de bruit. Il ne faut pas réveiller le bébé. N'ayez pas peur. On ne veut pas vous déranger. Nous sommes venus voir le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Mais qui vous a conduit jusqu'ici? C'est un ange qui nous a guidés. Et il nous a dit... Ne craignez pas, berger, écoutez, on vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, votre sauveur est né, pour tous il est descendu du ciel. Alléluia, gloire à Dieu, pour cette bonne nouvelle. Paix, amour sur toute la terre, en ce jour de cette bonne nouvelle, paix, amour sur toute la terre, en ce jour de Noël. Vous trouverez l'enfant dans une crèche, emmailloté dans de simples langes, dormant tranquillement sur la paille fraîche. Berger, chantez ce chant de louange. Alléluia, gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. Paix, amour sur toute la terre en ce jour de Noël. Alléluia, gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. Paix, amour sur toute la terre en ce jour de Noël. Aujourd'hui tout le ciel est en fête, Jésus-Christ le Sauveur vous est né. Levez-vous, prenez votre houlette, allez voir l'enfant pour l'adorer. Alléluia, gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. Paix, amour sur toute la terre en ce jour de cette bonne nouvelle. Paix, amour sur toute la terre en ce jour de Noël. C'est extraordinaire. Nous avons trouvé le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Tout est comme l'ange nous l'avait dit. Allez les amis, retournons au village pour dire à chacun ce que nous avons vu et entendu. Venez écouter la bonne nouvelle, Jésus-Christ le Sauveur nous est né. Oh, vous n'allez pas en croire vos oreilles, dans une étable nous l'avons trouvé. Relevons nos têtes, regardons l'étoile, lumière venue pour ouvrir nos yeux. Déchirez du haut jusqu'en bas le voile qui nous tenait séparés de Dieu. Venez écouter la bonne nouvelle, Jésus-Christ le Sauveur est venu. Il a quitté son grand trône dans le ciel pour chercher et sauver tous les perdus. Relevons nos têtes, regardons l'étoile, lumière venue pour ouvrir nos yeux. Déchirez du haut jusqu'en bas le voile qui nous tenait séparés de Dieu. Venez écouter la bonne nouvelle, Dieu nous montre sa grande bienveillance. Chantez, sortez de votre sommeil, c'est un jour de joie et d'espérance. Relevons nos têtes, regardons l'étoile, lumière venue pour ouvrir nos yeux. Déchirez du haut jusqu'en bas le voile qui nous...
venu pour ouvrir nos yeux, déchirer du haut jusqu'en bas le voile qui nous tenait séparés de Dieu. C'est merveilleux de voir tous ces bergers, heureux et pleins de zèle pour dire à leurs amis, à leurs voisins, ce qu'ils ont entendu et vu. Ce qui est merveilleux, c'est que le calme est revenu dans la crèche. Il était temps. Après tout ce remue-ménage, ces allées et venues, une bonne nuit de repos nous fera le plus grand bien. En espérant que l'âne et le bœuf ne ronflent pas. Bonne nuit, Carotte. Bonne nuit, Tom. Et toi non plus, ne ronfle pas. Je bâille fermant le portail, sans oublier les volets. Il fait nuit, il n'y a plus de bruit. Fermons la porte à trois tours de clé. Je bâille fermant le portail, sans oublier les volets. Il fait nuit, il n'y a plus de bruit. Fermons la porte à trois tours de clé. C'est comme ça que nos deux copains lapins ont assisté à la plus merveilleuse des naissances, celle du Seigneur Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir présenté l'enfant Jésus à Dieu dans le temple de Jérusalem, Joseph conduit sa petite famille dans une maison. Comme vous vous en doutez, nos deux amis Tom et Carotte n'ont pu s'empêcher de les suivre. Retrouvons-les confortablement installés en train de se reposer. Arrête de me chatouiller, Carotte. Oh, qu'est-ce que tu dis, Tom? Ne joue pas l'innocente. Je t'ai demandé de ne plus me chatouiller, de me laisser dormir. Pauvre Tom, il rêve tout haut maintenant. Arrête, Carotte, tes guili-guili ne me font pas rire du tout. Oh, oh, ouvre tes yeux et tu verras que ce n'est pas moi qui te chatouille, mais c'est un chameau qui te lèche les oreilles. Vraiment, Carotte, tu me racontes n'importe quoi. Une girafe pendant que tu y es. Mais ouvre tes yeux, Tom, et tu verras que je ne te raconte pas des bêtises. Laisse-moi dormir, Carotte. Ça suffit. Et arrête de rire comme un chameau. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Comme un chameau? Ah! Un chameau! C'est moi le beau chameau. Sur ma tête, pas de chapeau, mais une réserve d'eau dans les deux bosses de mon dos. Une bosse sur le dos, c'est le dromadaire. Deux bosses, c'est le beau chameau. Et trois bosses sur la tête, c'est mon petit frère qui est tombé de l'escabeau. Chameau, sur ma tête pas de chapeau, mais une réserve d'eau dans les deux bosses de mon dos. Une bosse sur le dos, c'est le dromadaire. Deux bosses, c'est le beau chameau. Et trois bosses sur la tête, c'est mon petit frère qui est tombé de l'escabeau. Mais pour le drôme
faire inone et fière pour vivre dans le désert. Une seule bosse lui est nécessaire, une bosse sur le dos, c'est le dromadaire. Deux bosses c'est le beau chameau et trois bosses sur la tête, c'est mon petit frère. Pince-moi, Carotte, je dois rêver. Non, non, tu ne rêves pas. Et dehors, je vois d'autres chameaux portant sur leur dos des hommes richement habillés. Les mages, le cœur vibrant d'espoir, ont vu une étoile briller un soir sur leur chameau chargé de cadeaux. Ils sont partis le matin très tôt. Au petit trot s'en vont les chameaux. Allez, allez, allez haut. À droite, à gauche, trottent les chameaux. Allez, allez, allez haut. Au petit trot s'en vont les chameaux. Allez, allez, allez haut. À droite, à gauche, trottent les chameaux. Allez, 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 oh. Les yeux fixés sur l'étoile brillante, assis sur leur selle étincelante, les mages d'une marche toute confiante franchissent les dunes, dévalent les pentes. Au petit trot s'en vont les chameaux. Allez, 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 oh. À droite, à gauche, trottent les chameaux. Allez, 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 oh. Au petit trot s'en vont les chameaux. Allez, 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 oh. À droite, à gauche, trottent les chameaux. Allez, 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 oh. Passer la porte de Jérusalem, le roi Hérode dans son beau palais dit aux mages d'aller à Bethléem. Allez-y les amis, c'est tout près. Au petit trot s'en vont les chameaux. Allez, allez, allez oh. À droite, à gauche, trottent les chameaux. Allez, allez, allez oh. Au petit trot s'en vont les chameaux. Allez, allez, allez oh. À droite, à gauche, trottent les chameaux. Allez, 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 oh. Voyant au-dessus d'une maison enfin s'arrêter l'astre brillant, les mages mettent pied à terre d'un bond pour entrer et adorer l'enfant. Au repos sont enfin les chameaux. Allez, allez, boire de l'eau. Au repos sont enfin les chameaux. Allez, allez, boire de l'eau. Bonjour les amis, n'ayez aucune crainte. Nous sommes des mages venus de très loin. Pouvez-vous nous dire où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous avons fait ce grand voyage pour l'adorer. Ah, d'accord. Approchez-vous et regardez, il est ici. Il se repose à côté de sa maman Marie. Mais que transportez-vous dans ces coffres? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Par hasard, n'auriez-vous pas des carottes? Mon estomac gargouille, il est grand temps de manger. Enfin, Tom, tu exagères. Tais-toi donc et laisse les mages s'approcher de l'enfant pour l'adorer. D'accord, Carotte. Je me plie devant ta sagesse. Après avoir adoré Jésus, Dieu avertit les mages par un rêve de repartir aussitôt dans leur pays. Et mes carottes dans tout ça? Elles repartent à d'autres chameaux. Hé hey, attendez-moi, j'arrive! Trop tard, ils sont déjà trop loin. Tu n'arriveras pas à les rejoindre, mon pauvre Tom. Voilà les enfants comment en cette belle nuit de Noël, Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux, Jésus-Christ.
En effet, la Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés, petits et grands, qu'il nous a donné Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans oublier les grands, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ait la vie, ait la vie, ait la vie éternelle. Afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu attend tous les enfants, les tout petits, sans oublier les grands, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ait la vie, ait la vie, ait la vie éternelle. Afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3,16. Sans oublier les grands, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ait la vie, ait la vie, ait la vie éternelle. Afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Et comme tout cadeau, il est gratuit. Et il faut tendre ses mains pour s'en saisir. N'est-ce pas là l'image de ce qu'est la vraie foi? En effet, un cadeau n'a de valeur que si tu l'acceptes. Personne ne t'oblige à le prendre. Savoir que Jésus est le cadeau de Dieu, c'est bien. Mais l'accepter, c'est mieux. En tout cas, j'accepterai bien quelques carottes. Tom, tais-toi et laisse parler Jean-Jean. D'accord. C'est cela, Noël, la naissance du Sauveur, du Fils de Dieu descendu du ciel pour venir sur la terre, naître comme un simple bébé. Mais Jésus n'est pas resté tout petit dans la crèche. Comme tous les enfants, il a grandi. Et durant toute sa vie sur cette terre, il a fait du bien aux gens, il a guéri des malades, nourri des foules, ressuscité des morts. Par amour pour chacun d'entre nous, il a donné sa vie en mourant sur la croix. Mais pourquoi ? Il s'est laissé clouer sur le bois de la croix, pour moi et pour toi. Ma place, Jésus, à la croix, fut cloué pour moi. Il a pris sur lui mon péché pour me purifier. Pour moi et pour toi, Jésus est mort sur la croix, son sang purifie. Son esprit transforme nos vies. Reçois dans ton cœur Jésus-Christ comme ton Seigneur. Il te pardonnera. Ta vie, il la transformera. À ma place, Jésus, à la croix, fut cloué pour moi. Il a pris sur lui mon péché pour me purifier. Pour moi et pour toi, Jésus est mort sur la croix, son sang purifie.
l'Esprit transforme nos vies. Reçois dans ton cœur Jésus-Christ comme ton Seigneur, il te pardonnera. Ta vie la transformera. À ma place, Jésus à la croix fut cloué pour moi. Il a pris sur lui mon péché pour me purifier. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est de savoir que Jésus n'est pas resté cloué sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Et comme il l'a promis, il est toujours avec nous, tous les jours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Que l'on soit à l'école, à la maison ou en vacances, Jésus est avec nous pour nous protéger parce qu'il nous aime. Jésus-Christ de la cave au grenier, de la cuisine à la chambre, est avec nous du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Jésus est avec nous tous les jours de l'année. Il veille sur nous, il est le bon berger. Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Évangile de Matthieu 28, verset 20. À l'école ou en vacances, à pied ou dans un avion, est avec nous quand le jour commence et même lorsque nous dormons. Jésus est avec nous tous les jours de l'année. Il veille sur nous, il est le bon berger. Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Évangile de Matthieu 28, verset 20. Jésus est avec nous tous les jours de l'année. Il veille sur nous, il est le bon berger. Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Évangile de Matthieu 28, verset 20. J'aimerais vous dire que pour être pleinement sous la protection de Dieu, il faut accepter le cadeau qu'il nous fait en ce beau jour de Noël, Jésus-Christ. Rappelez-vous de ceci, savoir que Jésus est le cadeau de Dieu, c'est bien, mais l'accepter, c'est mieux. L'as-tu fait ? Et vous savez les enfants, cette histoire que je vous ai racontée en compagnie de nos amis Tom et Carotte n'est pas seulement une belle histoire. Mais c'est surtout une histoire vraie qui s'est passée il y a environ 2000 ans. Dis, Jean-Jean, avant de nous quitter, j'aimerais bien que tu nous chantes encore un chant. Oh oui, c'est une excellente idée. Tous ensemble, nous sommes venus vous chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui les papas et les mamans offrent de beaux cadeaux à leurs enfants. Dieu aussi t'offre un cadeau, le sais-tu? C'est le plus beau des cadeaux, c'est Jésus. Tous ensemble nous sommes venus vous chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne nouvelle. Pour nous sauver et nous délivrer du poids de nos péchés. Si tous les hommes, les femmes et les enfants recevaient ce cadeau gratuitement, reconnaissant Jésus comme le grand roi,
le ciel et la terre seraient dans la joie. Tous ensemble, nous sommes venus vous chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver et nous délivrer du poids de nos péchés. Offert par Dieu, il te le présente devant tes yeux. Vas-tu l'accepter ou le refuser? Ah, si tu pouvais comme moi l'accepter. Tous ensemble, nous sommes venus vous chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne vous chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver et nous délivrer du poids de nos péchés. Voilà, l'histoire est terminée. Je vous l'ai contée. Dans votre cœur, je l'ai déposée. À toi maintenant de la raconter à ceux qui ont besoin de l'écouter, que Jésus est le cadeau de Dieu venu sur la terre en ce beau jour de Noël pour chercher et sauver les enfants et les plus grands. Au revoir et à bientôt. Jolie mélodie en cette belle nuit monte vers notre Dieu qui a créé les yeux. Aujourd'hui c'est Noël, joie dans le ciel. Joie.